Je me suis posé une question. Sur Minecraft, on peut faire des beacons, qui sont en gros des espèces de balises pour avoir des effets permanents. Pour faire un beacon, on a le choix sur plein de matières. On peut le faire en fer, en diamant, en or. Le fer, ça coûte le moins cher, mais la netherite, ça coûte le plus cher. Est-ce que du coup, ces deux beacons qui sont très différents, bah est-ce que du coup, ils sont réellement différents ou alors ils font juste la même chose? C'est ce qu'on va voir. Je vais me faire un premier beacon comme ça en fer. Et de 1. Bon, là, on a une balise là. Je prends des diamants. On a rapidité, célérité, résistance, soit améliorée et force. Donc, si je prends genre force, par exemple, c'est un effet de force 1. Bah, maintenant, on va faire un deuxième beacon. Le deuxième beacon fonctionne et on a des effets de résistance 1. Ah, c'est, on a force 2. Oh, on a force 2, rapidité 2, résistance 2. Ok. Bah, du coup, oui, il y a bien une différence. Et si je fais un beacon en or, du coup? Est-ce que j'aurai les mêmes effets ou pas? Un beacon en or, ça met célérité 2. Bah, c'est pareil, en fait. Donc, il n'y a aucune différence entre un beacon en or et un beacon en netherite qui coûte 20 millions de fois plus cher. Abonnez-vous!